On met la corde. Un jouet d'interaction, deux jouets d'interaction et du jambon. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une petite expérience avec votre chien qui va être en fait révélateur de la relation que vous avez, de ce que vous partagez avec lui. Je vais vous parler en fait du danger des jeux d'occupation. Les jouets d'occupation sont excellents durant la période chiot pour occuper le chien, et ça porte bien son nom, pour rediriger certains mauvais comportements et de faire ses dents parce qu'il a les dents qui poussent. Évidemment, on vous explique tout ça dans notre formation Esprit Dog Chiot, mais là, ce qui va être très important, c'est de comprendre que ces jouets d'occupation, petit à petit dans le temps, vous allez devoir en fait les enlever progressivement. Et les jouets d'interaction vont devoir en fait prendre plus de place dans la vie du chien et vont devoir être plus forts que les jouets d'occupation. Parce qu'on a beaucoup de gens qui commencent à balancer de l'occupation à tout va et résultat, on a beaucoup de chiens qui commencent en fait à ne plus avoir d'interaction avec leur propriétaire. Le chien s'occupe, mâchouille, fait ses trucs, mais il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'échange. Et on va pas se raconter n'importe quoi. Il y en a beaucoup, par flemme, qui vont dire « Allez, tu sais quoi, tu as envie de t'occuper, prends un os, ça m'évite de jouer avec toi. » On l'a tous déjà fait au moins une fois. Quand c'est fait de façon très épisodique, c'est pas grave du tout. Autant, ça devient un peu une routine pour beaucoup. Et là, ça devient extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de partage, il n'y a plus d'échange. Et donc, à la fin, on a le chien qu'on mérite, c'est-à-dire celui qui nous regarde plus. Regardez, je vais vous montrer avec le mien, je vais vous montrer avec Heroes un petit peu, et on va faire un ou deux essais. Regardez, je vous mens pas, on prend le Kong, hop, un petit peu de pâte à Kong. La pâte à Kong, c'est un gros avantage, c'est que c'est vraiment dégueulasse. Résultat, les chiens adorent, parce que plus c'est dégueulasse, plus ils adorent. Là, ce que je vais faire, c'est qu'exceptionnellement, je vais en mettre un petit peu là, pour que ce soit plus appétant en fait, pour que vraiment, on arrive à stimuler Pépère. J'ai le Kong, j'ai le boudin, et maintenant on va voir ce qu'il préfère. Le Kong, le boudin. Bon, je crois que ça va être très clair. Allez, prends. Bon, le boudin 1, le Kong 0. Vous avez vu un petit peu le point de regard du chien. Il est très net. Hein. Pourquoi il a choisi le boudin? Bah, parce qu'avec le boudin, on joue avec papa. Et avec le Kong, on joue tout seul. Qu'est-ce qu'on veut en fait au fur et à mesure de l'apprentissage du chien? La chose la plus importante, c'est mille fois mieux de jouer avec papa que de jouer tout seul. C'est dans ce sens-là en fait que vous devez avancer avec vos chiens en enlevant au maximum les jouets d'occupation et en jouant vous avec les jouets d'interaction, mais en jouant vous. Cette expérience-là, on peut la corser aussi. Hein. On peut tout à fait par exemple prendre le boudin, prendre le Kong devant Heroes, poser au sol les deux, dire « prends » et voir ce qu'il va choisir. Et ça peut être un peu plus déroutant pour lui. « Prends ». Oui. Et vous avez vu, encore une fois, le Kong, bah, il est resté à quai. Hein. Et pourtant, là, c'est au sol, donc c'est plus compliqué. Parce que naturellement, le boudin est souvent tenu à la main, en hauteur, et très rarement au sol. Là, je les ai posés devant lui pour qu'ils comprennent qu'il y avait l'autorisation de pouvoir le prendre si jamais il le souhaitait. Ce qui est important aussi que vous compreniez juste sur les jouets d'interaction, c'est quand vous êtes en interaction avec le chien, il est tout à fait autorisé, par contre, de pouvoir laisser le jouet d'interaction durant 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes au chien pour qu'il soit aussi fier de faire le beau et qu'il déambule un petit peu. Et encore une fois, vous avez vu, il a fait le choix du jouet avec lequel on interagit ensemble, on joue ensemble. Je veux finir cette vidéo par encore autre chose. Est-ce que ça marche avec autre chose que le boudin? Ce coup-là, j'ai pris une corde. On met la corde. Un jouet d'interaction, deux jouets d'interaction et du jambon. Prends. Bon, hop! Je vais sauver le jambon quand même. Je pense que c'est très clair. On est sur un chien qui préfère par-dessus tout les jouets qui vont engager une interaction. En l'occurrence là, avec moi. C'est quelque chose que vous pouvez obtenir. C'est pas miraculeux ce que vous voyez là. Du moment qu'en fait, vous construisez la relation pas à pas en comprenant que certaines choses très utiles au départ vont devoir s'éteindre avec le temps pour être remplacées par d'autres choses qui prendront plus de valeur. Et c'est comme ça que vous allez, à la fin, créer des relations extraordinaires. Et je veux attirer votre attention sur une chose. Heroes a été récompensé avec des friandises. Heroes et récompensé par moment avec de la nourriture, des récompenses alimentaires. Et vous pouvez le voir dans Esprit Dog Family parce qu'il y est dans ces vidéos. Mais ça l'empêche pas de faire le choix de l'interaction
plutôt que du jambon. On s'interdit rien. Et maintenant, je ne peux que vous inviter en fait à essayer de faire cette petite expérience chez vous. Alors, pas forcément en allant jusqu'à sortir le jambon, parce que c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, un jouet d'occupation, un jouet d'interaction. Si le chien choisit le jouet d'occupation, c'est peut-être qu'il faut se poser quelques petites questions. Il n'y a pas de drame, il n'y a rien de grave. Mieux vaut le savoir maintenant et repartir dans le bon sens. Mais ça veut peut-être dire qu'on joue pas assez. Ça veut peut-être dire qu'on n'interagit pas assez. Ça veut peut-être dire qu'on donne trop souvent ce jouet d'occupation. On se remet en question, on se met au boulot et on fait comme d'habitude, on kiffe avec son chien. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.